Route et électricité, c'est deux éléments qui pas capable. Depuis un pays, il veut prendre tout bon vrai rail développement. Mais pour ça, arriver à établir tout bon, il faut gagner l'État fort, qui paraît pour prendre bon genre de décision, qui a dérangé quelques monde, mais qui a pris un bénéfice de majorité. Le pays d'Haïti a 27 750 km² et plus passé 11 millions de monde qui vivent là-dedans. Mais il y a environ 7 millions de monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il y a un pile d'entrepreneurs et de businessmen qui sont obligés de faire un petit réseau pay. Ça qui la cause, le service à bien qui produit en Haïti, souvent coûté plus cher parce que c'est ça qui sortit l'autre bord de l'eau. Pour ça qui vient pour avoir l'infrastructure routière, depuis 30 dernières années, il y a quelques petits passés mais qui fait dans quelques grandes villes dans le pays. Mais l'en considéré, faiblesse qui gagne dans le respect et standard international, dans la quantité d'argent qui est dépensé pour un kilomètre route, dans la durée et la capacité pour ça résister les mauvais temps, cyclones et inondations, nous sommes d'accord que dans les affaires énergie et infrastructure routière, le pays d'Haïti est très loin dans derrière camionnette là. Le président Jovenel Moïse comprend ça. Et depuis 7 février 2017, là, il prend engagement pour changer la matrice énergétique là. Pour nous sortir dans les affaires diesel et mazout, pour nous rentrer dans l'énergie verte là. Non seulement pour cadrer le pays d'Haïti avec ça qui définit un grand rendez-vous sur l'environnement, mais tout pour permettre au pays à dépenser moins de cobre pendant la baille plus de service. Excellent Jovenel Moïse, tant mieux une série de visites dans diverses centrales dans le pays, tant que Péligue, Contevette, Déligé, Carrefour, Gaïa dans le sud-est, Touin, et en pile l'autre côté. Les rencontrer et puis boisser l'idée avec responsable EDH pour le récolter bon genre d'informations sur le fonctionnement et la capacité institution. Les chita parler avec entreprises privées qui vendent courant et puis les marcher dans 4 points pays pour prendre doléances population sur ça qui vient pour eux avec courant électrique. Tout constat ça, mené chef l'État prend décision dans le mois de juillet passé pour électrifier tout pays 24 sur 24. Nous commençons avec l'électrification 24 sur 24 là. Nous commençons dans le bout du pays, dans le côté qui est loin dans le pays d'Haïti, c'est les joies. C'est là que nous commençons et c'est pour montrer tout Haïtien qui vit sur 27 750 km² dans le pays d'Haïti. Haïtien qui vit dans 146 communes dans le pays. Haïtien qui vit dans 772 sections communales là. Lumière 24 sur 24 là pour les joies dans tout le pays d'Haïti. Continuer, corriger, innover, c'est ça le président Jovenel Moïse te dit le bras le fait. Et c'est ça l'a fait dans l'affaire courant 24 sur 24 là. L'a continué de travailler avec tout ingénieur et technicien compétent qui est dans l'IDHO. L'a corrigé toute faille qui te gagne dans le système là. Et puis mettre réseau côté qui pas de bien. Il commence à faire passer main dans toute usine qui te crampé pour un petit problème quelconque ou bien qui te manqué en pièce. Pour ça, bien pour l'innovation, chef l'État a décidé de changer les choses. La travail avec l'équipe qui est au côté là pour retirer le pays en basse et moyenne tension. Pour établir un réseau national haute tension capable de connecter plusieurs villes et même plusieurs départements ensemble. De placer plusieurs usines qui servent avec vent et puis soleil dans divers côtés dans le pays, et spécialement dans Bono, dans le département nord-ouest. Dans les Iois, chef l'État a placé plus gros réseau qui servent avec vent et puis panneaux solaires dans le pays. Et qui gagne la donne, un système qui servit avec batterie pour conserver courant et puis un moteur diesel en backup. Si toutefois, tu as plusieurs jours sans soleil, sans vent. Zone côté population pas trop en pile et côté caillou tout collé, a bien un mini réseau qui permet à moun sa yo, même Jacques moun dans grande ville, bénéficier courant 24 sur 24 là. Président Jovenel Moïse qui connaît douleur moun en dehors, décide de venir avec un programme qui relé Kaipam Cléré. Pour zone qui pire reculé yo côté caillou placé youn bien loin ak l'autre programme ça qui déjà fait chimel dans diverses zones dans pays a tant qu'on dans Sevré deuxième section communale Tiburon déjà côté gros amélioration dans façon moun yo te konn viv. Système ça qui servi à énergie soleil permet moun ki dans section communale yo grâce à yon kit solaire charger téléphone couter radio et puis li men ampoule pour éclairage ça qui la cause toute barrière écrasée entre Timon en dehors et Timon la ville. Parce que yo ka chita en bas en poule pour étudier ou bien faire des voyages en voyant dormir. Avec le programme Kaipam Cléré,
excellent Jovenel Moïse fini avec affaire l'empête du DAP dans la section communale. Et que des fois, c'est des l'empête du DAP qu'on a plimé. Et dans ce moment-là, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas plimer encore. Parce que nous avons le courant. Et nous avons chargé le téléphone, nous avons chargé le téléphone, à lieu distance pour charger le téléphone, puis là nous n'avons pas de problème. Là, nous avons chargé le téléphone, moi, ça c'est une belle initiative que l'État haïtien prend pour nous. Nous avons dit merci pour le programme ça du voyage dans le secteur pour nous. Président Jovenel Moïse, pas seulement décidé de bailler courant 24 sur 24 dans tout le pays. Interconnexion entre toutes zones qui tout collé, c'est une parmi les priorités de l'administration. S'il recevoir un pile critique, parce que l'Iparet Chita seulement dans le palais national, dans le marché dans toute section communale, il découvrit plusieurs usines asphalte à gros matériel TPTC qui étaient serré en barrage ou bien qui étaient dans le service privé, en pile gros potentat dans le pays. Ça était la cause, majorité pas équipement TPTC était vu, ou bien était semblé à un cimetière tellement ces ossements matériels qui étaient restés. Il était très difficile pour l'État de faire route à pont pour servir la population. Tout dérive ça, c'est la cause d'un kilomètre route qui coûte l'État haïtien 1 million de dollars avant le président Jovenel Moïse de arriver sous pouvoir. Leadership chef l'État et puis dynamiste technicien TPTCO à travers caravane changement, route agricole, curage et drainage déjà fait dans la vallée de la Tibonite. Le président déjà distribué matériel et intrants agricoles, tant que moulin et tracteur par association plantaire. Dans le Grand Sud, un pile travail déjà réalisé. C'est dans tout le pays, excellent Jovenel Moïse a mis infrastructure pour faciliter la circulation de moun et bien. Nous avons cité Route Corail Pestel, Mon Pilboro, Kankok Vaudreuil, Kafou Joff en Safolet en passant par Port de Paix, Route Embarquant qui est déjà en activité, Route Vilokai Camperin, Pont sous Rivière Ondevette, Pont sous Rivière Las Aguas, Route Inche Saint-Raphaël, Pont sous Rivière Grand Queen, Polade, Borok, Boua, Dalo sous Ravine Citron, Pont sous Rivière Marigot avec Jacmel, Viaduc la Marine Haïtienne. C'est quelques parmi gros chantiers. Administration excellent Jovenel Moïse l'a conduit dans plusieurs zones dans le pays. Pendant tout matériel TPTC qui était en panne ou bien en particulier à déployer dans tout le pays dans le cadre de caravane changement, chef l'État a travaillé pour rendre chaque direction départementale TPTC à Mério bien propre flotte matériel paille. Jean ça a déjà fait dans le port de paix et dans le cap haïtien. Grâce à ce travail, la population en ouais à clé. Qui est-ce qui travaille tout bon vrai dans l'avantage? Février 2017, 7 février 2018, une année pouvoir, une année travail. Haïti sous route changement, grâce à leadership excellent Jovenel Moïse à travers caravane changement, qui veut déconcentrer pouvoir avec moyen l'État pour porter au bail population qui vivent dans le dernier reste point de pays. Geste là a montré, président Jovenel Moïse, déterminé pour craser barrière entre moun en dehors et moun la ville, entre moun en haut et moun en bas, entre moun pauvre et moun qui gen moyen. 7 février 2018, caravane changement sous tout pays d'Haïti. C'est ça président Jovenel Moïse te dit et c'est ça l'a fait. C'est travail président Jovenel Moïse te promet, c'est travail l'a travail. 1930, naissance sur le fleuve Artibonite, l'idée du plus grand barrage hydroélectrique d'Haïti. 20 ans plus tard, sous la présidence de Dumarsais Estimé, débutent les travaux à Peligre. Inauguration de la centrale électrique en 1971 par Jean-Claude Duvalier. 2020,
Une nouvelle page s'inscrit dans l'histoire de l'énergie en Haïti avec la fin de la construction du nouveau barrage hydroélectrique de Marion, un rêve longtemps caressé par la population en cours de réalisation par le président Jovenel Moïse. Jeudi 25 septembre 2020, nous quittons la ville de Hinche au petit matin en direction de la rivière Marion. La vue est imprenable. De pittoresques petits villages typiques de la région défilent devant nos yeux, suscitant des moments d'intense émotion. Le paysage est idyllique. Nous arrivons à Terrier Rouge et trois virages plus loin, nous sommes à Grand Bassin. Un immense chantier à ciel ouvert s'étend sur plusieurs centaines de mètres, offrant à la vue un paysage tourmenté, un spectacle pour le moins surprenant. Nous foulons le sol, la zone est aride et à première vue, les espèces vivantes sont rares et nous prenons immédiatement possession de l'espace. Les équipements de chantier, pelleteuses, pelles mécaniques, bulldozers, tombereaux, camions, etc. sont déjà en place, éparpillés ici et là. De solides gaillards alignés en file indienne se passent en chantant un seau rempli de ciment jusqu'à l'échafaudage, déversant le béton dans le coffrage. Ce magnifique ballet rythmé se déroule avec grâce. Travail presque entièrement manuel, prouesse technique humaine, vu l'envergure du travail. Le nouveau barrage de la microcentrale hydroélectrique va jouer un rôle majeur dans la région. Le choix de l'hydroélectrique s'est imposé pour lutter contre la consommation des combustibles fossiles, démontrant par la même occasion l'engagement de l'État pour la protection de l'environnement. Combat combien vital pour l'avenir de notre planète. Ce défi gigantesque est sur le point d'être relevé. Le barrage de la rivière Marion a été financé entièrement par les fonds propres de la nation, conçu et construit par les techniciens et ouvriers locaux, en collaboration avec des ingénieurs cubains. Un bel exemple de solution pour la prospérité de la communauté. À tout seigneur, tout honneur.